Bonjour à tous et bienvenue. Cette séance, on va faire l'exercice 8, calcul de limites. Calculer les limites des fonctions irrationnelles suivantes. Q égale limite quand x tend vers moins l'infini de x fois la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. R égale limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 facteur de 2 plus la racine de x sur racine de x carré plus 1. Q égale limite quand x tend vers moins l'infini de x fois la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. On commence par la méthode de substitution directe. Donc, on va calculer la limite de la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. C'est une fonction rationnelle. Donc, égale limite quand x tend vers moins l'infini du monôme de plus haut degré au numérateur sur le monôme de plus haut degré au dénominateur. Égale limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x exposant 3. On simplifie avec x égale limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré. Et cette limite égale à 0. 1 sur plus l'infini égale à 0. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1 égale 0. Et la limite de x égale à moins l'infini. Et l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on passe à la deuxième méthode. Q égale limite quand x tend vers moins l'infini de x fois la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. Puisque x tend vers moins l'infini, donc x elle est négatif. Alors la racine de x carré égale la valeur absolue de x. Et x est négatif, donc égale à moins x. On remplace x par moins la racine de x carré. Q égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins la racine de x carré fois la racine de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. La racine de a fois la racine de b égale à la racine de ab. Donc q égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins la racine de x carré facteur de x plus 1 sur x exposant 3 moins 1. On simplifie cette expression. Q égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins la racine de x exposant 3 plus x carré sur x exposant 3 moins 1. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant 3 plus x carré sur x exposant 3 moins 1. C'est une fonction rationnelle, donc égale à la limite du monôme de plus haut degré au numérateur sur le monôme de plus haut degré au dénominateur. Donc, égale limite quand x tend vers moins l'infini de x exposant 3 sur x exposant 3. Et x exposant 3 sur x exposant 3 égale à 1. Donc, la limite de la racine de x exposant 3 plus x carré sur x exposant 3 moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à 1. Égale à la racine de 1 égale à 1. Donc, q égale à moins 1. Deuxième question. R égale limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 facteur de 2 plus racine de x sur racine de x carré plus 1. La limite de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc maintenant on va calculer la limite de 2 plus racine de x sur la racine de x carré plus 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x sur racine de x carré plus 1. On factorise sous la racine avec x carré, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x, sur racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. La racine de a fois b égale à la racine de a fois la racine de b, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x, sur racine de x carré fois la racine de 1 plus 1 sur x carré. La racine de x carré égale la valeur absolue de x. Et on factorise au numérateur par la racine de x.
égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x, facteur de 2 sur racine de x, plus 1, sur valeur absolue de x fois la racine de 1, plus 1 sur x carré. Puisque x tend vers plus l'infini, donc x est le positif. La valeur absolue de x égale à x. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2, plus la racine de x sur racine de x carré plus 1, égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x, facteur de 2 sur racine de x, plus 1, sur x fois la racine de 1 plus 1 sur x carré. Égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x sur x, fois 2 sur racine de x plus 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x carré. La racine de x sur x égale à 1 sur racine de x. Donc, égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x, facteur de 2 sur racine de x plus 1, sur la racine de 1 plus 1 sur x carré. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de x égale à 0, 1 sur plus l'infini égale à 0. Et la limite de 2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré égale à 0. Donc, égale 0 fois 0 plus 1 sur la racine de 1 plus 0, égale à 0. Donc, on a la limite de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus la racine de x sur racine x carré plus 1, égale à 0. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on passe à la deuxième méthode. R égale limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 facteur de 2 plus racine de x sur la racine de x carré plus 1. On va changer la place de ces deux facteurs, x moins 2 et 2 plus racine de x. R égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x facteur de x moins 2 sur racine de x carré plus 1. X moins 2 est positif, donc égale la racine de x moins 2 au carré. R égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x facteur 2, la racine de x moins 2 au carré, sur racine de x carré plus 1. La racine de a sur racine de b égale la racine de a sur b. Donc R égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus racine de x facteur 2, racine de x moins 2 au carré, sur x carré plus 1. X moins 2 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, égale x carré moins 4x plus 4. R égale 2 plus racine de x facteur de x carré moins 4x plus 4 sur x carré plus 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 4x plus 4 sur x carré plus 1 égale limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x carré. Le monome de plus haut degré au numérateur sur le monome de plus haut degré au dénominateur. Et x carré sur x carré égale à 1. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x carré moins 4x plus 4 sur x carré plus 1 égale à la racine de 1 égale à 1. Et on a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus la racine de x égale à plus l'infini. La limite de la racine de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et plus l'infini plus 2 égale à plus l'infini. Et plus l'infini fois 1 égale à plus l'infini. Donc R égale à plus l'infini. Au revoir et à bientôt.